au président Tajani, au président Juncker, au président Tusk, cette geste de solidarité vis-à-vis les victimes des incendies au Portugal. On a eu une vraie tragédie humaine pendant cet été et on a reçu plusieurs moments de support et de solidarité de l'Union européenne. Tout d'abord, en soutenant les combattants et le combat avec les mécanismes d'émergence et avec des avions de combat aux incendies et aussi avec des pompiers qui, sur Terre, ont fait le combat aux flammes. On a demandé et on a obtenu le support du Fonds de solidarité. Mais ce geste, c'est un geste d'un symbolisme très, très important. Parce que ça veut dire que l'Union européenne, qui a reçu le prix du prince désastreux pour la Concorde, a décidé de partager avec l'Espagne, avec le Portugal, avec celles et ceux qui ont été les victimes de ces incendies. Et ça, ça veut dire qu'effectivement, dans l'essence de la nature de l'Europe, les valeurs de la solidarité, c'est ces valeurs sur lesquelles on peut bâtir l'avenir de l'Europe. Quero agradecer muito profundamente à l'Union européenne, na presença do presidente Tajani, do presidente Jean-Claude Juncker, do presidente Donald Tusk, esta decisão de atribuírem a Portugal e a Espanha, às vítimas destes terríveis incêndios que enfrentamos ao longo deste verão, o prémio Príncipe das Astúrias. Este é mais um gesto simbólico da solidariedade que sentimos ao longo destes meses por parte da União Europeia. Sentimos quando carecíamos de meios aéreos para o combate aos incêndios e a União Europeia conseguiu mobilizar os meios disponíveis. Sentimos quando apresentámos as candidaturas ao Fundo de Solidariedade para financiar a reconstrução. Sentimos na vontade política das instituições europeias de melhorar e construírem um mecanismo europeu de proteção civil. E agora, com este gesto simbólico, significa que, efetivamente, o valor fundamental sobre o qual temos construído e vamos construir a Europa é o valor da solidariedade. Por isso, a todos, muito obrigado. E é um gesto que, em nome de todos os portugueses, e em particular aqueles que foram vítimas dos incêndios, quero aqui reconhecidamente agradecer ao Presidente António Tajani e ao Presidente Jean-Claude Juncker. Muito obrigado.